Mon lieu de naissance, là où je suis venu au monde. J'ai pas grandi à Beaumont. C'est juste, je suis né dans l'hôpital de Beaumont, mais j'ai pas grandi là-bas. Ça, c'est un tournoi qu'on avait fait avec mon club, avec l'AS Erani. C'était un tournoi international où il y avait des grands clubs de France. Et voilà, c'était le premier grand tournoi international qu'on faisait. Et on jouait contre des grands clubs, notamment Toulouse, Guingamp, des clubs comme ça un peu. Et voilà, c'était une bonne ambiance avec mes potes d'Erani. Bon, bah, il n'y a pas tout le monde qui a fini footballeur, mais j'ai encore des contacts avec pas mal d'entre eux. Bah, c'était un kiff, hein. Après, il n'y a pas grand chose à dire parce que il y a beaucoup de secrets, mais sinon ouais, voilà, c'était que du positif. J'ai appris beaucoup de choses là-bas et notamment mes valeurs. Et voilà, je pense que c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ma mère, elle était caissière et mon père il travaillait dans la distribution. Et mes frères, ils jouent au foot avec moi. À gauche, tu as une photo, c'était au camp des loges avec l'équipe des Benjamins. Il y a beaucoup de têtes qu'on connaît là, en plus. Tu as notamment Erwin Ogenda, Ferland Mendy, James Léa Siliki. Tu as Ryan Diafat qui est le fils du boxeur. Tu as Kingsley Coman et tu as Cheikh Traoré qui joue à Lens. On avait une bonne équipe là. Et à droite, c'est la photo d'un journal en Espagne quand on avait remporté un tournoi à Arousa, avec notamment la plupart des joueurs qui sont à gauche. Et voilà, c'était un tournoi international qu'on avait remporté avec Erwin, meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. On gagnait 3-0, on fait 3-3 et on finit au tir au but. Ouais, moi j'ai tiré, j'étais oublié, j'étais capitaine. Quand même, et responsabilité. Oh, franchement, j'en ai plein des souvenirs. Après, on va dire les meilleurs entre guillemets qu'on retient le plus, c'est des périodes comme ça quand on est vraiment gamin, on sait pas ce qu'on va devenir, on sait pas qu'est-ce qu'on veut devenir et voilà, on est juste là pour profiter et s'amuser avec ses potes. On faisait des beaux tournois avec des gars en or et voilà, c'est que du positif. Ouais, la plupart oui, parce qu'on était de la même génération. On faisait 95 et 96. Après on s'est tous connus en poussin deuxième année notamment. Et après on a continué ensemble jusqu'à la fin de la formation, c'est-à-dire pour la plupart jusqu'à nos 18 ans, 17-18 ans. Et pour certains qui nous ont quittés avant, mais sinon pour la plupart on est toujours restés ensemble. Ça, c'était la photo à gauche, c'était à l'Elysée quand on revenait de la Coupe du Monde en Russie. On est venu célébrer et à droite c'est juste après le match contre la Croatie quand on avait l'occasion de faire des photos avec la Coupe. C'est beau, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement et surtout beaucoup de sacrifices. Quand on est jeune, on est gamin, on pense pas réellement à tout ça. Et voilà, en grandissant, on arrive à faire des choses qu'on pensait peut-être pas faire quand on était plus petit. Mais et voilà, avec du travail, du temps et ce qu'il fallait, on arrive à faire de belles choses dans la vie. Qu'on a foutu la merde dans l'hôtel.
avec les Adil Rami, avec les extincteurs. Il nous a tous fait virer de l'hôtel. On a fini dehors à 6h du matin, je sais plus quelle heure. 5h. Ah, c'était marrant, il y a de belles histoires là-bas quand même. Mais on peut pas tout dire. Ah, tu me connais, on peut pas tout dire. Les monuments de Paris. Ça, c'est la vie, ça. C'est des endroits que le monde entier rêverait de découvrir. Et moi, j'ai la chance d'être né ici, d'en profiter quand j'ai le temps. Après, quand t'es pas un touriste, c'est pas la même chose quand même. Parce que nous, on a l'habitude de voir ça tous les jours. Et de le voir quand on veut. Alors qu'un touriste ou un étranger, il viendra forcément pour voir ce genre de monument. Mais moi, j'ai de la chance de pouvoir les voir tous les jours. C'est une fierté quand même. Parce que c'est des grands monuments de Paris et de France. J'aime bien tout ça, la mode. C'est belles choses. Ces belles choses que peut nous procurer Paris. Ah, moi, j'en ai pas de préféré. Hein. Tu sais, je suis pas compliqué, moi. Je suis pas compliqué. Je vais aux Champs-Élysées, je vais Saint-Honoré, Montaigne. Je me balade dans les grands arrondissements de Paris. Ah, c'est beau, même quand tu dis Paris, c'est beau. Paris. Ah oui, pour moi, c'est le summum. C'est une fierté de ouf. C'est un rêve de gosse. Voilà, quand t'es né à Paris, t'as grandi à Paris, t'as fait toutes tes classes à Paris et que t'arrives à signer pro, à rester dans l'équipe première, à gratter des minutes et au final à réussir à jouer après avoir le brassard, ça peut être qu'une fierté. Et voilà, on le prend volontiers. C'est beaucoup de responsabilité, mais beaucoup de fierté aussi. Je crois que j'ai déjà eu un match amical avec Laurent Blanc, mais elle avait vraiment plus de joueurs. Quand je te dis plus de joueurs, elle avait vraiment plus de joueurs. C'est pour que j'ai le brassard à ce moment-là, c'est qu'il y avait vraiment plus de joueurs. Mais je pourrais plus te dire c'est quel match. Ah non, j'ai du mal là par contre. La première fois que je l'ai eu. Non, je pourrais pas te dire. Tu sais? Un Nantes-PSG. Nantes-PSG? Ouais, c'était la première fois que tu portais en tant que titulaire le brassard. Et c'était en avril 2019. C'est quand il y avait Gigi dans les buts, Alves excentré droit et tout là. Ah, c'était là la première fois? Ouais. Ah, j'en ai trop. Non, la plus grosse serait remporter la Champions League, forcément. C'est le rêve de tout professionnel jouant dans un club. C'est la Coupe du Monde des clubs, on va dire. Ouais, c'est que du bonheur, beaucoup de fierté d'être de cette génération-là qui a la chance et le privilège de pouvoir porter ce maillot. Et on va essayer de l'honorer comme il se doit. Parfait, merci Presnel. Là, vous pouvez m'appeler Napoléon.